Yo tout le monde, c'est Neiges pour une nouvelle vidéo. Donc on va pas faire un, donc on va faire le les pronostics de la Ligue 1, hein, la 7ème journée. Mais on va pas faire d'autres pronostics. On va faire juste ça. J'ai pas d'idée sur des autres championnats. Donc j'espère que vous mettrez en commentaire quel championnat faut que je fasse avec la Ligue 1. Ce serait bien. Donc à 19h le mardi 25 septembre, il y aura Monaco contre Angers. Ensuite, encore à 19h, il y aura Nantes-Nice. Je dirais, voilà. Donc Monaco-Angers, je dirais match nul, hein, vu que Monaco contre Nîmes, ils ont fait match nul aussi. Et Nantes-Nice, je dirais match nul, hein, vu que les deux équipes, ils sont pas si forts que ça. Et normalement l'année dernière ça passe encore, mais là ils sont pas très forts, hein, voilà. Ensuite à 21h il y a Toulouse-Saint-Etienne, donc Toulouse-Saint-Etienne, je dirais Toulouse gagné, hein, voilà. Ils sont deuxième, un truc comme ça, deuxième, ouais, je crois, ou troisième, je sais plus. Ensuite le mercredi 26 septembre 2018, il y aura à 19h Amiens-Rennes. Ensuite, il y aura à 19h Bordeaux-Losc. Ensuite, il y aura Caen-Montpellier. Ensuite, après, il y aura Dijon-Lyon. Ensuite, après, à 19h encore, il y aura Olympique Lyonnais-Strasbourg. Ensuite, il y aura Nîmes-Guingamp. Et à 21h, il y aura PSG. C'est Marseille-Strasbourg, c'est pas l'Olympique Lyonnais. Tu vois quoi, toi? PSG-Reims. Et donc, on commence Amiens, Rennes, je dirais Rennes gagné, hein, voilà. Là, ils vont jouer cet après-midi contre Rennes, contre Paris, hein, mais je dirais, je l'ai déjà dit, les pronostics, regardez la vidéo de la 6ème journée, hein, voilà. Et donc, je dirais Rennes. Ensuite, après, il y a Bordeaux contre Lille, je dirais Lille. Bordeaux, cette année, ils sont pas si forts que ça, mais Lille, ils sont très forts, hein, voilà. Donc, ensuite, après, quand Montpellier, je dirais Montpellier gagné, hein, ils ont monté un petit peu à cause des autres équipes, voilà. Ensuite, il y a Dijon-Lyon, je dirais match nul, hein, voilà. Ensuite Marseille-Strasbourg, je dirais Marseille gagné, hein, voilà. Donc ensuite, il y aura Nîmes-Guingamp, je dirais Nîmes gagné. Ensuite, après, wesh, ensuite, il y a Paris-Reims, je dirais Paris gagné, hein, voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. Et vous inquiétez pas, aussi, j'ai un nouveau concept à vous dire, qu'il y aura toutes les semaines l'actu de la NBA, genre le dimanche, le lundi, le mardi, je vais dire ça, mais ce sera en fait, je vais regarder les actus et je vais les écrire, ou voilà. Et ensuite, après, je vais vous les dire. Le dimanche, il y a eu, voilà, et etc. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et de surtout de vous abonner. Allez, ciao les potos, et merci à mon caméraman qui est toujours là. Allez, ciao les potos.